C'est toi, tu vas aller chercher l'œuf quand même. Non. Tu sous-estimes mon pouvoir anarchique. Écoute, après avoir fait la cloche en premier, je crois que tu peux plus rien sous-estimer. Bah, de toute façon, je fais peut-être les choses n'importe comment, mais il y a quand même un semblant de logique. C'est-à-dire que la colline Bianco, j'ai fait, mais j'ai tout fait. Le parpinage, je suis en train de faire et je vais tout faire. J'ai compris quand c'était dans le... Ça donne déjà les pièces bleues à la fin pour qu'on puisse les retrouver. Et puis, au final, le but, c'est de prendre le moins de temps possible pour tout faire. Bah ouais, parce bah, que si tu fais des allers-retours comme ça... Après, on va faire le village Pianta, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais on va faire tout le village Pianta. Avant de faire autre chose. Vitesse que tourne ce machin. Ouais, j'ai jamais essayé de monter dessus, en fait. Je sais même pas si tu peux. Ou si ça t'enlève de... par défaut. Je sais pas, en tout cas, si t'arrives, c'est une façon bien plus rapide de monter en haut. Ouais. De se retrouver en haut, disons. En plus, celui-ci, je l'aime pas parce que je l'ai pas fait souvent, du coup, je sais pas comment on le fait en fait. Et merde, je voulais pas faire ça. Ah, j'avais rien. T'as une aérobus. Merde. Bon, ça finit. Je voulais me servir de ça pour monter direct vite. C'est maintenant de se souvenir quel bouton sert à frapper et quel bouton sert à se décrocher. Donc maintenant je sais. Bête ta face. Bon là on... Je vais pas m'aventurer quand même. Tiens, je vais le sauter dans ta face. Bête dans ta face. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Dans ta face. C'est bien pour qu'il faut avec. Mais le grand il fait pas aussi un bruit, mais pas le même, donc c'est aussi un peu bizarre. C'est celui-ci que j'ai jamais trouvé comment éviter. Comment tu fais, sérieux? La technique ça a toujours été de faire comme ça, mais pas réussi. Si tu... wow. En plus, si tu te prends un coup, tu peux plus essayer l'aérobus. Là, je crois qu'il faut t'accrocher au trou vert justement avant de. Ouais, mais ça. Écoute, il y a plein de manières d'y arriver, mais surtout pas des conventionnelles. J'aime bien parce que du moment qu'il y a... C'est une norme, il y a un point d'interrogation. Ouais, c'est vrai. T'as vu où ce... Bah là, quand la caméra, elle est pas... Oui, mais tu l'as vu où dans ce cas-là? Sur le truc rouge, sur ses ennemis à débat. Ah, oh. J'étais en train de me dire, c'est le moment d'appuyer sur A, mais en fait, non. Bon, ça va, j'ai encore réussi à s'effacer. Pourquoi celui-là, il est vert? Ah oui, je savais qu'il faisait un bruit différent. Si je connais le faire... Ouais. T'es fort en imitation de cri. C'est fort en chocolat. Tu crois que c'est pas possible, tu sais, tu prends le chemin comme le soleil des pièces rouges. Tu sautes sur un de ces machins qui va super vite. T'as même pas besoin de tuer le type. Bah, en tout cas, je veux dire, moi je pense... mais le tuer, t'es obligé. Tuer, t'es obligé. Mais moi je pense que tu peux pas monter. Je veux dire, si tu poses les pieds dessus, je pense que... C'est un peu vite ça. Ah, Dieu donne cela, tombe sur ton... Voilà. J'en ai un peu abusé, mais c'est bon. T'en as 20. Tu vois, je commence à penser que c'est déjà pas mal. Un 6ème en 5 épisodes, ça fait 30 épisodes. On a ralenti le rythme. Bon, en même temps, les 24 soleils des pièces bleues, ouais, les pièces bleues se ramassent vachement vite. Hein. Si tu sais où elles sont. Si tu sais pas où elles sont, après... D'ailleurs, tu sais, le c'est parti, c'est le seul truc où il y a une logique dans les couleurs des lettres. Même dans le Bravissimo, j'ai jamais compris. Il n'y a qu'une lettre qui est bleue. Même dans l'épisode, là, il n'y a aucune logique. Bah, il n'y a que le E qui est bleu, quoi. Moi, je te dis, ils sont racistes envers les bleus. Hein, c'est ça. Saloperie de japonais. Ah là là. N'importe quoi. J'ai jamais réussi à prendre des escaliers et à rentrer dans le parc sans rien manger. T'as jamais essayé, je suppose? Non. Moi, je m'amusais toujours à faire ça. Tu dois empaler Yoshi. C'est deg. Enfin, j'ai jamais considéré que tu l'empales. Ah, moi si alors. Juste parce que c'est direct, t'allais là, puis qu'après tu te fais téléporter. Parce que si tu parles au directeur, il te dit oh, le Yoshi est pas... Le Yoshi, il nous manque. Je vais y arriver. Laisse-moi encore 2 minutes. Il nous manque un Yoshi, ce serait bien si on trouvait un remplaçant. Mais toi t'arrives avec l'autre Yoshi. Attends Yoshi, ne bouge pas, j'arrive avec le couteau pour faire un trou. Non, pas pu te demander la banane. Ça m'aurait arrangé, ouais. Ou bien l'espèce de... je sais que c'est... le truc allongé, la jaune. Le melon. Pas melon. La banane. C'est pas une banane. Mais non, pas ça. Ce qui lui fait la mort au nez. Ah, la poire, citron, je sais pas ce que c'est. Moi non plus, j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors les fruits, je sais tout ce que c'est, même le durian. Je le trouve qu'il est plus joli en orange, mais de toute façon on a besoin en orange. On a besoin d'orange? Oui, on a besoin qu'il soit orange. Si c'est pas orange, ça marche pas. Les vertes, c'est des noix de coco, mais en fait, je viens de savoir pourquoi on sait pas le nom de tous les fruits. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais, t'as les nanas qui te demandent de leur porter un certain nombre de fois les fruits. Elles te demandent pas ce machin. Ouais. C'est le seul qu'elles te demandent pas, avec le piment. Mais le piment, c'est pas dur de savoir ce que c'est un piment. De savoir que c'est un piment. Sinon, moi, je saurais pas que ça s'appelle un durian. Celui-là, je trouve qu'il a quand même pas si simple. Ouais, il est dur, je trouve. À part ça, où tu peux passer d'un coup en triple saut. C'est juste. Je me suis dit que t'allais tenter. Je ne suis pas un glace-point. Moi, ce que je trouve vil, c'est que les trucs ils soient fermés d'un côté. C'est trop salaud. Tu peux passer que sous le bleu. Hein. Ouais. Enfin, ça dépend. Là, tu peux passer sous le noir, mais pas de l'autre côté. Ouais. En fait, tu peux passer à contre-courant. Ouais, tu peux vraiment. Oui. Oui, c'est vraiment, il n'y a pas le bloc. Oui, non, il n'y a pas le bloc, mais t'arrives à passer. Oui, t'es largement assez grand. Oui, non, mais... t'es largement assez petit, pardon. Oui, t'arrives à passer en allant à l'envers, mais est-ce que t'arrives en allant dans ce sens pour aller si chercher, tu vas en passant dessous? Si tu vas à l'endroit, non, t'arrives pas, mais si tu vas à l'envers, si. J'ai cru que tu disais ça. Non, justement, je dis justement, à l'envers, tu peux aller. Ouais, mais il y a qui va à l'envers? Personne, c'est beaucoup trop risqué. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que si tu passes de l'autre côté et qu'après tu te laisses porter, tu passes quand même. Qui fait ça? Ouais, bah c'est con de partir en arrière, mais. Je notifiais le fait que c'était possible. Ce bloc, il est super rude à monter dessus, il me semble. Moi, je préfère faire depuis le. Là. T'es sérieux? Ouais. Ah. Ouais, ça marche aussi. T'as jamais fait comme ça, toi? Non, mais pas ce bloc là qui monte et qui descend, ça demande un de ses timings. Là, t'as besoin de timing, il suffit de réussir à faire un saut spirale. Bon, tu vas me dire, saut spirale, c'est pas aisé à faire, mais. Il va attendre un moment. Ouais. Puis bon, là, je rigole. Là, je rigole bien, mais en même temps, si j'étais passé en bas, je me serais maudit, puis j'avais. Pourquoi je suis pas conventionnel, mais... En fait, peut-être qu'il ne le tire pas à côté, parce que t'as l'île qui s'étend encore un peu. Il le tire sur la plage. Ouais, mais je veux dire, quand tu regardes comme ça, toi tu vois que le vert, la plage, tu la vois pas vraiment. Du coup, t'as vraiment l'impression qu'il tire à côté, mais peut-être pas en fait. Je sais pas. Puis tu sais, là, il apparaît comme ça, il fait pas. Comme de galaxie. Ouais, non, je pensais. Ouais, c'est vrai, mais je pensais surtout à. Dans Donkey Kong Country Returns. À chaque fois qu'il apparaît au début d'un niveau, il fait. Juste pour la petite imitation, mais ouais, il arrive, il donne un coup de avec ses paluches, comme ma mère, et puis il se tape sur les nichons. Alors là, je sais pas du tout le chemin qu'il prend. Je sais pas. Moi, ce que je trouve, c'est que tu sais, quand t'arroses un ennemi avec le nectar de Yoshi, tu se transforme en plateforme. Ça, c'est au moins vachement dingue. Je crois qu'il était mort. Il semblait avoir entendu un choupoing. Choupoing, le Pokémon. Tu passes là, connard. J'étais sûr que je passerais pas. Normalement, il va pas dans l'eau, justement. Oui, mais pas dans celui-ci, je crois. What the fuck? Il va dans l'eau alors que t'es censé. Mais je pense que c'est la pression qui lui fait du mal. Plus que l'eau. C'est chiant, hein, faut attendre qu'il clique. Tu peux pas le choper. Je sais pas, il me faire électrocuter aussi. Ah, mec, il plonge sa carapace à l'aide. Ouais, puis ce qui est excellent, c'est quand tu les arroses, quand tu lances la carapace, puis qu'elle revient, puis. Lui, t'es la simple là. Il est pas facile. Non, il est pas facile. Moi, je sais pas si je vais y arriver du premier. Oh, t'es discret. Ouais, bah, il y a un peu discret, effectivement. Ah, t'as fait les 100 pièces bien plus rapidement que. Partout ailleurs. Bon, en même temps, c'est bien plus facile, hein, il faut aussi dire. Ah, les 100 pièces de l'hôtel Delfino, c'est pas facile. Enfin, c'est facile, mais c'est chiant. Tu commences directement dans l'hôtel? Non. Tu peux en récupérer quelques-unes sur la plage. Ouais, tu peux en récupérer quelques-unes sur la plage, je me porte beaucoup. Le mieux, c'est d'utiliser Yoshi puis de bouffer, tu sais, tous les fantômes, là. Faut prendre le 3 pour faire ça. Quoique le 8, l'avantage, c'est que les portes sont ouvertes. C'est des bébés, ça. Ouais. Ils sont tous les là. Oui. Putain, je sais plus combien de temps. 3. 2, ce serait quand même un peu juste, hein, parce que... Déjà, 3, c'est pas très facile. Maintenant, il y a un pont. Il était pas dans le 7? Je sais pas. Bon, je sais rien, en fait. On n'est pas juste là pour le 7. C'est à lui qu'il faut parler. Ouais. Toi, là, moi, c'est des niveaux évolutifs et pas du principe que t'arrives, c'est la merde, et puis à chaque épisode, tu fais un truc bien, en plus. C'est peut-être pour ça que tu peux pas refaire les anciens, on peut revenir dans les nouveaux. Ouais. Bon, je veux dire, si tu pouvais faire Mega Bowser, c'est un peu bizarre. T'as trop missile. Ouais, j'en ai eu un, Là, tu peux choper le 3 si tu vises bien. Ouais. Parce que là, si t'arrives à en toucher, là, c'est pas moi que ça arriverait. Quoique là, peut-être ces deux-là. J'ai eu qu'un. Ah, j'en ai eu un. Mais c'est pas celui que je visais. C'est d'autant mieux. Ouais, peut-être que j'aurais dû prendre une tirée dessus quand je pouvais. Là, t'en as déjà eu passé la moitié en un tour. Ouais, mais c'est le premier tour qui est le plus facile parce qu'il y en a plein. Après, quand t'en as plus que. Il a foncé dans le. Ces trois là, dans le looping, c'est de la merde les avoir, putain. Là, il n'y en a pas à gauche. Non. Oui, là, juste à gauche. Sûr? Oui. Là, je vois un peu. Ah ouais, on a vu un rose. Oh, je vais l'avoir. Oh oh. Merde, ça c'était pas prévu. J'essaie d'avoir tout ça. Damn it! Ah, j'en fous, je vais. Je vais avoir le. Connard. Connerie, je suis passé à côté. Bon. Et je les ai loupés en plus. Non, de Jack Sparrow. Là, il n'y a jamais où ils sont bien alignés pour les avoir les trois. Ouais, tu vois, le deuxième tour, il était dévastateur là. Décidément, voilà, on va le tirer parce qu'il y en a un autre après. Oh la joie, hein. Non, vraiment pas. Alors là, deuxième tour, je trouve que c'est un des pires deuxièmes tours que j'ai fait. J'ai de nouveau foncé dans le mur. Ah. T'en as pas eu, hein. Non, dis-moi pas que. J'ai tiré à côté. Bon, au moins ça. Bon, le dernier tour a intérêt à être productif parce que là, c'est pas. C'est pas très bien parti. Non du tout. Voilà. Merde, je suis passé à travers. Non mais ces trois là, ils sont chiants, hein. En plus avec ce machin qui fait des tours, tu sais quoi, tu dois. Non, tu dois. Ouais, j'en ai bien. Allez, au coin. Ah, il en reste un, putain. Dis pas que je vais arriver avec 19. Voilà, je panique et puis je tire n'importe comment. Faudrait que je me concentre pour viser. Bon, là j'ai peu de chance. Mais... Oh, si, c'est bon. Oui, en plein dedans. Oh. Moi je pense que c'est plutôt compter sur celui que j'étais sur le point de prendre là. Parce qu'il permet de bien viser. Mais... Pourquoi il te remonte? Ça, j'ai jamais compris alors. Tu peux refaire un tour direct malgré qu'il t'ait chatonné le soleil. C'est bien le principe de n'hésite pas à tenter ta chance à nouveau. En sachant que si tu te loupes, il te tue, hein. Mais en fait, je pense que c'est représentatif du Japon parce que tu vois, c'est. Il se fait un harakiri en fait. Je n'ai pas réussi à éclater les 20 ballons, je ne mérite plus de vivre. Bon, les deux scrap. Ouais. Qui sont d'ailleurs assez vite faits, enfin, il me semble que le Scred 2 il est super facile. Le Tiff, par contre, je sais pas où sont les 8. Alors je sais qu'il y en a 4 sous les portes là, dont on discutait avant, mais alors les autres... Là par contre t'as effectivement pas le choix de prendre le 2 et le 6 pour faire le 2 et le 6. Sinon t'as pas de Yoshi. Il y a un nombre de pièces bleues qu'il y a là aussi. Je crois qu'il y en a 6. Il y en a 5, je sais pas. Ah stupide. J'ai comment réussi à dire des mufards alors que ça me sauve. Quoi? Il y a pas de chez pièces aussi les... Oui, 5 je crois. Non, tiens, j'ai mangé comme ça. J'arrive des bonbons et des muquets à chaque fois. C'est long, mais j'arrive aussi bien ça qui me déplace. C'est vrai que ça ressemble pas vraiment à une chose. La clé, ouais, c'est la version Sunshine des bonbons, mais c'est comme tu sais les Soleils tout là, les machins qui te foncent dessus en faisant quand tu les écrases. Moi je considère ça comme des Goomba quoi. C'est les Goombas du jeu. Tout comme les autres, c'est les bobombes du jeu. Ben, les Bilbas, ils ressemblent pas à des Bilbas non plus de Mario. Non, les Bilbas classiques quoi. Donc c'est les Bilbas du jeu. Il pue dans ma place. C'est si au-dessus du vide, c'est trop vite. Là par contre, c'est les blocs qui tombent par la forme de gauche. En fait, ils tombent pas. Ouais, qui disparaît pas, il a forme de... Moi qui trouve ça troublant. C'est pour te montrer qu'il disparaît pas quoi. Bah, sinon tu sais pas si les blocs qui disparaissent ou pas. Je m'en fous, je passe. Ça va quand même pas passer. Moi des fois je me coince sous l'autre. Ouais, ça c'est chiant quand tu fais ça. Merde, dis-moi pas que tu fais. Ah. Bon, là moi je peux arroser et puis me... Là, faut que je réussisse à choper le soleil puis pas que j'aille trop loin. Voilà, ça c'est fait. Mais oh, faut que je me mette dans la tête qu'ils disent waha, mais moi je croyais trop qu'ils disaient yahi. Mais des fois il dit yahi. Ouais, mais pourquoi des fois yahi puis des fois yaha? Waha, je sais pas. Faut que tu viennes. En fait, le mec qui a codé le programme, il l'a prévu pour que Mario dise un certain pourcentage Wahab et un certain pourcentage Yahi. Ouais, je sais pas. Tu crois vraiment qu'il se ferait chier pour ça? Non, mec, une fois sur 42, il va dire Yahi. Écoute, moi j'aimerais bien trouver la raison du code couleur. Ouais. Je trouve ça déjà bien. Comment, mec, en code couleur? Bah, j'ai une idée. Alors, la première... On la met bleue. Oh mais j'aime pas le bleu. Bah alors on met plus de bleu après. Wouhou. J'espère qu'il veut cette poire. Ça serait mieux. Coconut. D'ailleurs, ça doit être une variété de noix de coco qui n'existe pas chez nous parce que... Noix de coco verte. Oui c'est ça. Ah. Donc évidemment il faut que ça arrive. Non, mais c'est vrai que c'est quoi ce machin? C'est une poire, c'est pas... Si ça peut pas être une poire, mais je pense que c'est un fruit exotique dont t'as jamais entendu parler. Peut-être c'est un truc... Mais merde. Non mais ça, même en essayant de le faire, ça doit pas être facile. Jastar. C'est un Piantus Maximus. Il abuse, hein, tellement. Wow, je me suis fait électrocuter à la tronche. Pourquoi Yoshi l'a pas allumé? Je sais pas. Ça doit être une allergie endémique. C'est le seul jeu où l'a pas allumé. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est une allergie endémique. Ouais. Endémique, comme en grec, endémos, qui est contenu dans une certaine population. T'as de la peine. Bonne chance. Tu vois comme il dit bonne chance en mode de toute façon je suis sûr que tu vas crever. Là t'as déjà failli à côté. J'ai tellement paniqué que j'ai utilisé mes papiers. Je me suis là l'aérobus pour me retrouver au même endroit qu'avant. Vous invitez. Parce que le cri c'est... Le reste c'est tout la même couleur que la porte sauf celui-là. Bah c'est à peu près la même couleur que la porte quand même. Ouais. Gris vert. La porte elle est verte. Ouais mais c'est un vert extrêmement gris. Je crois qu'il y en a plus. En fait je sais pas où elles sont les 8. Ça me paraît bizarre qu'il y en ait que 2. Peut-être, hein, parce qu'il n'y a pas la main dans le troisième. c'est un peu juste. J'ai même pas parlé. Ils auraient pu mettre une de la pastèque. Ouais, non, non. Je dirais pas oui. Mais ça me paraît bizarre d'en faire que deux. Mais bon, il y en a trois là, je crois. Oh, ouais, tout est un point d'interrogation. Enfin, double saut. Ou un saut, comme ça. Oh, j'avais oublié, alors celle qui était là. Celle que je vais prendre maintenant. Là. Si, j'avais complètement oublié. Maintenant, faut monter sur ce putain de bloc. Que sans l'aérobus, j'arrive jamais à l'utiliser. Timing Master! Oh, j'ai réussi en plus. Par contre, la pièce, c'est là quand même. Tu vas la voir, c'est putain de pièce. J'aime bien, tu sais, comme t'as les deux jets qui. Ça, c'est deg en fait. T'as pas voulu jouer au foot. Ça c'est fait! T'as faim pour aller chercher ce freaking Yoshi.